Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul Craftelier. Enfin j'ai fait une commande sur Craftelier. Avant ça, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas dans ma pièce mais je suis dans mon salon parce que la lumière était un peu plus sympa ici, il y avait plus de lumière ici que dans ma pièce. Et autre chose... j'ai mis des articles à vendre sur mon Vinted, donc crea.ilea. Je vous invite à aller voir. Voilà, j'ai fait le tri dans ma scrap room. Il y a plein de choses que j'avais achetées que je n'utilise pas du tout. Donc autant que ça puisse servir à quelqu'un d'autre. Également, j'ai fait un petit tour chez Action parce que j'avais des petites boîtes à acheter justement pour les futures commandes. Et j'ai trouvé ce lot de washi tape. Donc, il était à 2 euros quelque chose. Je vous mettrai le prix quand je le retrouverai dans le ticket de caisse. Mais voilà, petite nouveauté. Enfin, moi, j'en avais pas vu encore dans mon Action. Donc, et il y avait un autre paquet, mais je n'ai pris que celui-là. J'aime beaucoup les couleurs. Donc voilà, juste ça d'action. Donc on va commencer avec la commande de Craftelier. Donc comme d'habitude chez Craftelier, vous avez toujours la petite carte avec la petite sucette qui est très très bonne. Le petit papier avec le récapitule de votre commande, mais il n'y a pas les prix dessus. Donc si je retrouve les prix, je vous mettrai les prix... en dessous au fur et à mesure de la vidéo. Alors donc première commande chez Craftelier, enfin ma commande chez Craftelier, j'ai commandé ce sac de rangement pour planeur. Donc en fait j'ai dans l'optique d'amener mon planeur en vacances, donc j'ai acheté un petit sac exprès pour l'amener. Alors attention, c'est un sac où vous pouvez mettre seulement votre planeur classique ou le plus petit, mais pas le grand. Le XL, il ne rentre pas, c'est beaucoup trop, le sac est beaucoup trop petit. Alors donc, vous avez deux rangements. La première ici, comme ceci. Donc ici, en fait, on a une pochette... du plastique, enfin du papier pour protéger. Donc une pochette ici. Ensuite ici vous avez une autre pochette là et une autre pochette ici. Ensuite de l'autre côté vous avez un emplacement ici. Donc pour mettre votre planeur par exemple. Et des pochettes ici que l'on ouvre comme ceci. Donc voilà, à l'intérieur, on peut mettre des crayons, etc. Ce scratch. Donc vraiment, je suis très contente de ce sac. Alors ensuite j'ai commandé des petits anneaux métalliques comme ceci. Donc moi mes anneaux ils sont en plastique et donc j'avais envie de m'acheter des anneaux métalliques comme ceci. Ils sont vraiment très très beaux. Pour vous montrer un peu la différence entre le plastique. Voilà. Là vous avez des anneaux en plastique. Et ceux-ci sont métalliques, donc je vais les mettre je pense que ça fera bien avec mon planeur. Ensuite, j'ai commandé un planeur spécial enseignante. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas, je suis professeure des écoles. Et donc je ne savais pas qu'ils avaient sorti des planeurs exprès pour enseignantes. Donc je me suis laissée tenter parce que j'adore cette manière d'organiser. Donc je me dis qu'avec un planeur, voilà, ça sera très très bien. Alors, donc moi j'ai acheté le kit complet parce que le planeur tout seul n'y était pas. Mais après, il existe tout seul. Alors, donc à l'intérieur, vous avez des petites cartes comme ceci. Donc,
Voilà, des petites quintes toutes mimi. Ensuite, vous avez deux petits washi tape comme ceci. Ensuite, il y a des autocollants, donc des stickers. Voilà. Et ensuite, il y a le planeur. Donc, le planeur, donc c'est un très grand planeur, enfin, c'est le grand format. Moi, j'ai ce format-là qui est classique. Et là, c'est le grand format. Voilà. Il y a une petite différence quand même au niveau du format. Donc, voilà, mon planeur se présente comme ceci. Donc ici, la première page pour mettre voilà, votre nom, votre classe, etc. Ensuite, ici, vous avez un calendrier. Ici, plusieurs informations sur votre classe. Ici, vous avez un autre calendrier ça, il sera très bien pour noter les rendez-vous, les conseils des maîtres, conseils d'école, etc. Et ensuite, on commence. Donc, il commence, comme c'est américain, il commence au mois d'août. Vous avez la vue mensuelle du mois d'août, par exemple. Et ensuite, les semaines qui commence comme ceci. Donc en fait là c'est en ligne comme ça. Donc pour noter voilà, votre organisation selon vos journées. Et donc ça s'arrête juillet, en juillet. Hop. Donc juillet. Voilà, c'est pour une année en fait. Voilà. Donc juillet de l'année prochaine. Et ensuite, après juillet, vous avez une checklist où on peut voilà, écrire des choses en rapport avec la classe. Donc c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est ceci, parce que pour noter toutes les choses en rapport avec ma classe, ça sera vraiment très très bien. Et ensuite, à la fin, vous avez une pochette. Ici, vous pouvez mettre des documents. Donc voilà pour le planeur. Donc il est vraiment très très beau. J'ai commandé en plus des petits séparateurs, enfin des tableaux de bord comme ceci, donc à mettre de la même collection pour mettre dans mon planeur. Voilà. Et j'ai repris aussi des feuilles, donc de la checklist comme ceci, donc les feuilles que vous avez à la fin du planeur. Et j'ai pris aussi des feuilles de notes pour noter, voilà, lorsque j'aurai, quand je serai en conseil des maîtres, en conseil des classes, c'est pas mal de noter voilà, des informations. Donc des petites feuilles comme ceci pour noter, ce sera très très bien. Donc voilà pour mon haul Craftelier. Et en plus j'ai sur Craftelier, si vous faisiez une commande de plus de 55 euros, pour 1 euro vous avez la fameuse serviette qui est très 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 belle. Alors voilà, je sais pas comment je vais pouvoir vous la montrer, mais elle est vraiment grande et très jolie. Vous avez plein de tout ce qui représente un peu le scrapbooking, donc voilà, des appareils, des encres, la fameuse desserte ici en très grand. Voilà, des ciseaux, etc. Donc, hop. Voilà. Donc voilà, une très belle serviette. J'aime beaucoup cette serviette pour 1 euro. Voilà, c'est pas cher pour 1 euro, c'est très bien. Donc voilà pour ce haul. Alors si vous êtes encore avec moi sur ma vidéo, ça veut dire que vous êtes une personne qui est fidèle à ma chaîne et qui regarde mes vidéos jusqu'au bout. Donc pour ça, je voudrais vous remercier en organisant un petit concours. Donc
Dans ce concours, vous pourrez gagner les nouveaux pochoirs, donc ce modèle-là avec ces 5 pochoirs à l'intérieur et ce tampon, enfin ces tampons avec les dies, donc les nouveautés de chez Action. Pour cela, il vous suffit tout simplement d'être abonné à ma chaîne et de répondre à une question. Donc, dites-moi quel est l'article dans mon haul que vous préférez. Donc, vous avez juste à mettre en commentaire sous cette vidéo l'article que je préfère est celui-ci. Même si c'est la serviette, par exemple, hein, peu importe. Voilà, juste mettre cette petite phrase qui vous permettra d'être... de vous différencier par rapport aux autres qui n'auraient pas regardé ma vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, vraiment merci beaucoup d'être présent et présente et de regarder mes vidéos jusqu'au bout. Donc maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.